Depuis le XIIe siècle, les Templiers sont installés sur le Larzac et à la Couvertoirade. Un bourg se développe autour du château, encore visible de nos jours. En 1312, l'ordre du Temple est dissous. L'ensemble de leurs biens revient aux Hospitaliers. Au milieu du XIVe siècle, les « routiers » des compagnies de mercenaires pillent le Larzac. Par crainte de ces bandes armées, les habitants finissent par faire fortifier le bourg de 1439 à 1445. En 1562, au début des guerres de religion, les Huguenots tentent de prendre la cité, en vain en 1702 les habitants s'arment et restaurent les portes par crainte des Camisards. Mais le bourg ne sera plus jamais attaqué. En 1768, le bourg est érigé en commanderie indépendante. Octroyé au chevalier Riquetti, baron de Mirabeau. La Révolution confisque toutes les possessions hospitalières, qui reviennent aux paysans.